On donne un triangle ABC, soit MNP tel que ABM égale K1, BCN égale K2, et CAP est égal à K3. Bien sûr qu'un K2, K3, ce sont des réels. Qu'un K2, K3, ce sont des réels. Alors, je vous rappelle le rapport de section, c'est le rapport pour... rapport suivant lequel un point que je vais appeler M partage un vecteur AB est donné par un réel lambda qui doit être bien sûr différent de moins 1 si seulement si on a ceci AM égale lambda MB. Bon, c'est aligné, hein, je vous le dis tout de suite, c'est aligné. Mais c'est un rapport suivant lequel M partage le vecteur AB. Voilà. Lambda doit être différent de moins 1. Et on note ABM égale lambda. C'est le rapport de section. Alors, en coordonnées, je peux trouver les coordonnées du point XM, YM en ayant A1 plus lambda B1 sur 1 plus lambda. Je vous rappelle que lambda différent de moins 1, A2 plus lambda B2, le tout sur 1 plus lambda. Et lambda, c'est aussi un paramètre. Bon, bien sûr, le A pour coordonnées A1, A2. B, c'est B1, B2. Et bien sûr, le point M, c'est XM, YM, qui sont donnés ici. Alors, suivant le lambda. Eh bien, je vais faire ça ici, mais... Là, on a ABM, justement, on a ABM égale K1. Mais avant toute chose, on a un triangle hein, quelconque. Ce qui est donné, c'est triangle ABC. Donc, je vais d'abord dessiner le triangle ABC. Voici. C'est ce triangle sur lequel je vais travailler. A, B, c'est sa figure. Ensuite, je vais lui mettre une coordonnée. Enfin, un repère, c'est pas ça que je veux dire. Je voulais dire un repère, c'est pas une coordonnée. Et de ce repère va naître des coordonnées, bien sûr. Voilà. Maintenant, je me place le repère. Petit instant. Alors je vais essayer de m'arranger pour me faciliter la tâche. Ici, je vais mettre x égale 0, y égale 1. Et ici, le c, je vais mettre 1, 0. Voilà, comme, et bien sûr, le a, ce sera l'origine qui est le 0, 0. Voilà. Donc, de ça, je peux trouver. Maintenant, chercher les rapports de section. ABM égale K1.
Donc, c'est-à-dire que je peux avoir les coordonnées x, m, y, m qui est égal à le a, il vaut 0, 0. Alors, lambda différent de moins 1, bien sûr. Et le b vaut 0,1. Donc c'est-à-dire que je peux trouver xm c'est 0, ym égale lambda sur 1 plus lambda. Ouais, c'est pas lambda, c'est K1. Je m'excuse. Ça va être K2. Enfin, pas grave, je changerai après. C'est pas un problème, je vais changer après. Alors celui-ci, le n, b. Le B, il vaut 0,1. Et le C vaut 1,0. Donc c'est K2 sur 1 plus K2. Là c'est 1 sur 1 plus K2. Le dernier, CAP. Le C, il est en 1,0. Et le A est en 0, 0. Je vais tout rassembler.
xm 0 k, k1 plus 1 plus k1. K2, 1 plus K2, 1 plus K2. Un sur 1 plus K3. Voilà, donc voici tous les points x, n, bon, x, enfin m, n, p. Maintenant, je construis la droite AN. Ouais, ici j'ai oublié de vous dire ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que le produit est égal à 1. En fait, c'est de ces voies. Et 1, ça veut dire qu'on court en parallèle. Bon, c'est le théorème de Bessevoix. Genre de ces voies. Donc c'est-à-dire sur le support de chaque côté, on prend un point, bien sûr distinct de chaque sommet. Hein, et puis on a ABM égale K1, BCN égale K2, et CAP égale K3. Alors les droites AN, BP et CM sont concourantes ou parallèles, et qui va dire, attention que c'est équivaut, hein, c'est pas une application, c'est une application dans les deux sens. Donc c'est équivaut à dire que K1, K2, K3, K1 fois K2 fois K3 égale 1. Donc il faut que je recherche les droites AN, BP et CM. Sont parallèles ou concourantes. Hein. AN, BP et CN sont parallèles ou concourantes. Un petit instant, j'arrive, je m'excuse. Revoici, je m'excuse. Donc ANBP, CN sont concurrents, donc et, ben, il faut construire les droites ANBP, CN, tout simplement. Alors, le point A, je l'ai, c'est 0, 0. Donc AN.
moins y1 sur y2 moins y1 est égal à x moins x1 x2 moins x1. On aura y est égal à 1 sur 1 plus k2 k sur 1 plus k2x, y est égal à 1 sur 1 plus k2 fois 1 plus k2 sur, ouais, attention que c'est ici, c'est que c'est k2. Celui-ci va se simplifier et c'est 1 sur k2. Donc y est égal à 1 sur k2x. Y est égal à 1 sur k2x, en d'autres termes, c'est k2y moins x égale 0. Ou x moins k2y égale 0, c'est la même chose. Bon, donc ceci, je vais éliminer. J'ai la droite à n. Ou plutôt, bon, je peux, ce que je peux mettre aussi, c'est x moins k2y. Voilà l'équation de la droite à n. Je vais faire la même chose avec la droite BP. C'est intéressant parce que je cherche. Le B vaut 0,1. Un sur l'inverse de 1 plus K3. L'inverse de 1 plus K3, 0. Y moins y1, y2 moins y1 est égal à x moins x1 Ça, c'est la droite BP. Et maintenant, je vais aller chercher la droite CM. Le C, c'est 1, 0.
y moins y1, y2 est égal à x moins x1, x2 moins x1. Donc on aura y sur k1, 1 plus k1 est égal à x moins 1 sur moins 1. Y sur k1 sur 1 plus k1 égale 1 moins x. Donc on aura y égale k1, 1 plus k1, 1, 1 moins x. 1 plus k1, y est égal à k1 moins k1x. Alors, moins k1x moins 1 plus k1 y plus k1 égale 0. Alors je peux prendre l'opposé. K1x plus 1 plus k1 y moins k1 égale 0. Et ça, c'est la droite CM. Alors maintenant, je vais chercher les trois droites. Équivaut et dire, bon, démontrer que, bah, ce qu'il faut démontrer, dire que sont parallèles ou co-courantes. AN, BP, CM sont parallèles ou co-courantes. Donc il faut que je trouve ceci, que ça fait K1 fois K2 fois K3 égale 1. Alors je vais établir ceci. Pour ça, je vais aller chercher les trois droites AN, BP, CN.
Alors, elles sont concurrentes, puisqu'on a, on doit avoir démontré, on doit démontrer que K fois 2, K fois 4 égale 1. Donc, ça veut dire qu'elles sont concurrentes. Donc, je vais mettre la concurrence. Alors, quand vous avez trois droites A1, X plus B1, Y plus C1, égale 0, A2, X plus B2, Y plus C2 égale 0, A3, X plus B3, Y plus C3 égale 0, ben, vous mettez A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, et ça doit être égal à 0, c'est-à-dire que c'est concurrent. Et ici, c'est le cas. On voit ça. Donc, je reprends mes trois droites. X 1, 1 plus K3 pour le X ici, et l'autre, le X est K1. Voilà, ça c'est pour les X. Voilà. En Y, moins K2, 1 et 1 plus K1. Et enfin, le terme indépendant. Zéro moins 1 moins K1. Ah, et ceci, ça doit être égal à 0. C'est-à-dire que moins K1 plus K1, K2, 0, 0, plus 1 plus K1, moins K1, K2, 1 plus K3, égale 0. Moins K1 plus K1, K2 plus 1 plus K1 moins K1, K2 moins K1, K2, K3 égale 0. Ces deux-ci vont tomber. Moins K1 plus K1, ils tombent. Et qu'est-ce qui reste? Moins K1, K2, K3 égale moins 1. Et donc, K1, K2, K3 égale 1. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est que le produit vaut 1. Je vous remercie.